I'm Hulk Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy! We're not worthy! You got a spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. How you doing? The Rock says, "Sweet baby Jesus in the office." Alors, bonsoir tout le monde. Vous écoutez le Wrestle Rock Podcast. Je suis Jonathan Drapeau. Je suis avec mon co-animateur, Benoît Laferrière, avec Yann Astradamel. Comment ça va, mon peine? Ça va numéro un. Il paraît que c'est une première aujourd'hui. Un invité très spécial. Ben oui, c'est vraiment le fun en plus. Ben, on a été contacté par quelqu'un de très, très, très spécial. Puis, on va aller le rejoindre dans deux petites minutes, mais je veux simplement faire une parenthèse avec toi, mon Ben. Ah, toi puis tes parenthèses. Yes. Est-ce que tu te souviens, Ben, de la belle époque de la lutte où il y avait Édouard Carpentier, Lee Le Duc, Lee Vachon, Eddie Creechman, Abdullah the Butcher, puis plein d'autres. Je m'en souviens, mais on n'était pas nés, mais je m'en souviens très bien. Non, on s'en est fait parler beaucoup. Oh, ouais, ça, et c'est puis, ça. Il y a eu aussi des belles rivalités à l'époque. On se souvient des Le Duc, les Vachon. Ah oui. Il y avait eu le grand Maurice Madoc Vachon. Exactement. Il y avait son frère aussi, Paul. Mais, chers amateurs de lutte, est-ce que vous saviez que dans les Maritimes, il y avait un lutteur qui s'appelait Butcher Vachon? Wildman Butcher Vachon, et puis son prénom, c'est Roger Thériault. On va aller le rejoindre tout de suite. Il est en ligne avec nous. Bonjour, M. Thériault, comment allez-vous? Oui, ça va très bien, vous? Ça va très, très bien. On est vraiment content, honnêtement, que vous ayez pris le temps de nous contacter. Puis c'est vraiment le fun. On a découvert quelqu'un de vraiment gentil, aimable, puis tout ça. Puis en même temps, ben On voulait en apprendre un petit peu plus sur cette personne-là, c'est ça? Oui, c'est ça. Puis c'est comme une découverte en même temps parce qu'on connaît quand même bien notre lutte, mais on ne savait pas qu'il y avait eu un Vachon dans les Maritimes. Donc, vous allez pouvoir nous en parler davantage. Donc, monsieur Thériault, comment avez-vous venu en tête, dans le fond, de devenir un lutteur professionnel? Mon idole, c'était Mad Dog Vachon. OK. Puis Édouard Carpentier puis Jean Ferret venu à Tracadie, Nouveau-Brunswick. Oui, oui, oui. Puis moi, j'avais 16 ans, j'avais 225 livres, costaud. Puis il y en a un qui m'avait dit, tu dois aller dans la lutte, mais il n'y avait pas de gymnase, pas de place pour pratiquer, seulement à Montréal ou Toronto. OK, OK. Fait que là, j'ai été à 29 ans. J'ai commencé à m'entraîner à Hamilton, Ontario, par Nick DiCarlo. Okay, lui, il m'appelait Frenchy Le Duc. Il m'a appelé Frenchy Le Duc. Il voulait que j'étais dans les bons. OK, OK. Fait que j'ai fait à peu près une dizaine de combats dans les bons, mais jamais pas ça. OK. Puis un arbitre de la WWF dans ce temps-là, qui est venu et a dit, tu dois te shaver la tête et t'appeler Bulldog Vachon. Okay. Passé pour le neveu à Mad Dog Vachon. OK. Mais quand j'arrivais dans les Maritimes, il y avait Bulldog Bob Brown. OK. Fait que là, le promoteur Émile Dubré dit, on peut pas t'appeler Bulldog. Il en a déjà un. Fait que là, il m'a appelé Butcher. Moi, j'ai mis WM Vachon. Mais je pensais pas devenir populaire, puis surtout des Maritimes. Pour les Maritimes, moi, je suis un Vachon, un vrai, là. je suis pas Roger Thériault, là. Non, c'est seulement ça. Quand j'allais à ma place natale, qui est Saint-Isidore, Nouveau-Brunswick, Tracadie, à la même place que Gabriel Vianneau. Oui, Gabriel, que d'ailleurs. C'est ça. Fait que là, je luttais comme un bon. Fait que j'étais content que mon professeur m'avait montré comment être un bon. OK. Fait que là, je pouvais lutter dans les bons puis dans les mauvais. Je pouvais faire les deux. Ça fait que tu viens. C'est comme n'importe quel métier. Exactement. Si tu peux faire plus que seulement le bon ou seulement le mauvais, le promoteur va te garder parce que tu peux faire les deux. Oui, effectivement. Donc, oui, c'est ça. Vous parliez d'Émile Dupré tout à l'heure, qui était le promoteur, le père du grand René Dupré, qui a fait carrière à la WWE.
Est-ce que c'était lui, oui, votre entraîneur, M. Dupré? Non, c'est moi, c'était Nick DiCarlo. J'ai appris ça à Montréal. Puis il avait l'original chic, que c'est lui qui m'a pas mal drainé. Puis quand j'ai commencé à Montréal, c'était mon premier combat. Puis il avait barré le nom à Martel. Mon professeur disait, c'est contre qui ce que je lutte? Ah, il dit, quelqu'un, somebody. À la fin, j'ai entendu le monde, il criait, je sais pas, mais il était populaire, c'était Rick Martel. Fait que là, je voulais pas y aller. Je vais pas me mettre contre le champion, mon premier combat. Mais j'ai bien fait pour un gars qui avait. Puis après ça, il y a eu les Kelly Twins, c'était deux frères. Les Kelly Twins, ils sont fait tuer avec Adrian Adonis puis le Bearman. Okay. Quand ils ont été lutter à Newfoundland. Les autres m'ont pris pour un bon bout. Je luttais contre eux autres, puis ils m'ont beaucoup aidé. Après ça, ben, les Maritimes, ben, il y avait Leo Burke, Bob Brown, Rip Rogers, Ron Starr, Color Carl Krupp, c'est lui qui a appelé pour moi, Émile Dupré. J'ai été chanceux d'avoir du monde de même pour me montrer. Ah, c'est intéressant. Vous nous avez parlé juste avant, dans le fond, vous avez fait votre combat avec Ricky Martel. Pouvez-vous nous parler de cette expérience avec lui? Ouais, c'était une bonne expérience. Moi, parce que je ne savais pas que la lutte était un spectacle. C'est encore ben green, qui appelait ça, ben vert, tu sais. Ah, oh, oui. Fait, quand il m'a dit, halle-moi les cheveux, moi, j'ai tiré les cheveux pour vrai, là. Fait, là, j'ai eu une coupe de chop dans l'estomac pour vrai aussi, là. Fait que là, mais non, ça a bien été. Après ça, ça a été Tom Zing. Puis Tom Zing, ça n'a pas été si bien avec. OK, OK. Ouais, parce que Martel, lui, il me disait, fais ça, tu sais. Mais après ça, nous autres, on luttait 120 combats par été. On commençait le 2 juin, on allait sur l'île de Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, à tous les soirs. Wow! Puis, je pense que c'est ça qui manque dans la lutte présentement. C'est que les gars luttent pas assez souvent. C'est une fois par mois, deux fois par mois. C'est nous autres, c'est un territoire. T'es trois mois de temps avec les mêmes gars. Wow. Tu deals avec le monde. Il y a beaucoup d'affaires. C'est à la fin, le dernier mois, là, dans la chambre, là, tu peux attendre une mouche flyer parce que les gars sont tous assis, puis c'est bien calme. Puis c'est plus comme présentement, là. Les gars sont obligés de donner des becs avant de commencer. Tu sais, je veux dire, c'est plus comme dans notre temps, là. Moi, j'appelle ça la lutte, puis j'appelle ça la vraie lutte. Comme nous autres, dans les Maritimes, c'est la vraie lutte. Tu m'as un coup de chaise à la tête, fendu ici, 11 points, 5 points, whatever, tu formais ta gueule, puis c'était le lendemain soir que tu donnais les reçus, ou ça se réglait, mais il y a une chose, tu ne broyais pas à personne. J'ai vu, moi, Chichi Crew, le jeune, il a donné des chops, là. Mm-hmm. Puis le gars a dit, mais Chichi, veux-tu les chops à soir? Et, l'autre a dit, oui. Il l'a choppé 50, 60 fois. Tu sais, je veux dire. Ouais, tu dis pas un mot, là. Non, c'est sûr, Seigneur Dieu. C'est Cuban Assassin, des matchs à coups de chaise. Mais t'es là-dedans, puis moi, j'ai fait ça. Moi, j'étais chanceux. Moi, j'avais un autre métier avec ça. Le métier de monteur de structure d'acier. OK. Puis, c'est pas comme les autres qui gagnent leur vie là-dedans. Là, c'est sérieux pour les autres. Là. Et que tu as une famille à payer, puis des enfants, puis tout ça, puis qui envoient de l'argent chez eux, puis tu sais, là. C'est pas. Faut que tu le veux, puis que tu le fasses. Puis s'ils pensent que tout le monde vient riche là-dedans, là, c'est pas vrai, ça. Non, vraiment pas. Non, non, non.
Je vous avais parlé qu'à une certaine époque, dans le fond, c'était très coriace. Oui, justement, M. Thériault, on aimerait savoir lequel de vos adversaires dans votre illustre carrière fut le plus coriace. Le plus coriace, c'est le Cuban Assassin. Le plus stiff pour les Trumps, c'est Robert Rancourt, Sonny Warcloud. Oui, oui, la gars Sonny Warcloud. Oui, Sonny Warcloud, je vais te dire, les chops à Sonny Warcloud, c'est assez solide, c'est assez sévère, on va dire. Sonny, moi, j'ai lutté 35 combats avec, à tous les soirs. On faisait, fallait pas finir avant 25 minutes. On était à semi-finale, puis il y avait seulement 4 combats. Puis il annonçait à tous les 5 minutes. Okay. Mais on virait la place à l'envers. Quand que Sonny faisait sa danse d'Indien, là, ça capotait dans la place. Vous, j'imagine. Là, j'en mangeais une. À cette époque-là, vous étiez le vilain, parce que Sonny, vilain, c'était un peu difficile. Ouais, il était fait quasiment toute sa carrière. Avec le personnage, là. Oui, puis c'est pas ça. Le vilain, le monde pense que tu sais pas lutter. Vous comprenez? Ouais, comme ouais, nous autres, dans mon temps, là, c'est moi qui menais le match. C'est moi qui disais à l'autre quoi faire, disais à l'arbitre quoi faire, puis ils n'ont pas le choix d'écouter. Parce que s'ils n'écoutent pas le promoteur, ils gardent le match. Ouais, ouais. Là, si le gars n'a pas écouté, il va arriver dans la chambre, le promoteur va aller à lui, il va dire « Boutchou, t'as dit de faire ça. » Mm-hmm. Boutchou, t'as pas dit de faire ça, hein? Là, tu sais, mais là, il va y tomber dans la face, puis, tu sais. Oh. Ah ouais, mais c'est plus comme. Tu sais, là, il pense que le mauvais, il sait pas lutter à cause qu'il fait pas des belles moves, puis il fait pas des belles affaires, mais c'est ouais, tout. Ouais. C'est tout dans le show. Tu sais, c'est pour ça que je suis le mauvais dans la lutte. J'ai des problèmes aussi, tout le monde se ressemble à cette heure. C'est tous des gros bodybuilders, puis on dirait, ou c'est des tout petits. Il n'y a plus les lutteurs avec une bedaine, là, petite, là, puis le doigt à face, là. Là, tu sais, tout de suite, c'est le mauvais, lui-là, là. Il y en a que l'autre, les deux, là, tu sais. Si tu ne vas pas souvent à la lutte, là, ben, tu ne sais pas, c'est qui est le bon, le mauvais, là-dedans. Là tu demandes à côté au gars qui va souvent, là. Tu sais? Ouais. Mais. Comme moi, automatiquement, c'était. Il n'y a pas de misère à avoir plus le monde. Ben, c'était le même monde qu'on allait là, à Moncton, Fredericton, Saint-Jean. À tous les semaines, c'est le même monde. Ça fait que tu changes ton combat. Là. Exact. Tu ne peux pas faire le même combat semaine après semaine. Non, tout à fait. Non, non. Ça fait que. Et puis souvent, tu travailles avec le même gars aussi. Tu travailles 2 semaines avec le même gars. Puis là, après ça, OK, avec un autre gars, tu peux faire un autre genre de match, mais avec le même gars, faut que tu fasses d'autres choses. Mm-hmm. Puis moi, j'étais imprévu. Il me faisait haïr, mais si je n'étais pas là, le monde n'aimait pas ça. Là. Vous comprenez? Là? Ben oui, je comprends très bien. C'est que si je n'étais pas là, il demandait à l'arbitre ce qu'elle bouture. On le voit à TV, mais on ne le voit pas au show. non, mais une année, moi j'avais un business de monteur de structure. Oh, oui, j'avais pas le temps d'aller. J'allais à la TV. Okay. Puis là, le monde, l'arbitre me disait, le monde demande pour toi, puis ça, mais cette année-là, je pouvais pas aller. J'allais juste pour la TV. C'est comme le combat que j'ai fait, puis je chiolais à la fin, là. Que je chiole, je sais pas si vous avez vu cette vidéo-là. Là. Non, je ne l'ai pas vu, la vidéo. Ouais, cette année-là, je n'étais pas bien, mais là, je m'ai servi de ça pour dire que je voulais avoir des matchs de championnat, puis que je ne restais pas dans le Grand Prix comme ça, avec sur le bas de la carte, tu sais, puis des affaires de main. Au moins, ça donnait une excuse à mes fans. Malgré que j'étais haï, j'avais des fans pareils, là. Oui, M. Thériault. En fin de semaine dernière, mon ami Jonathan m'a envoyé un combat que vous avez fait contre Nelson Veilleux. Nelson le trappeur, connu sous le nom de Brick Crawford. Oui. Comment était-il comme adversaire? C'est Bob Crawford. Oui, c'est ça. Oui, dans ce temps-là, moi, j'étais nouveau. C'est en 87, la première année que j'étais dans les Maritimes.
Oui. Puis c'est con, comme j'ai trouvé qu'il prend, il a pas pris le pas pris de match, tu comprends? J'ai pas donné grand chose. Dans ce match-là, là, c'est ouais, dans le squat. Combat, là, faut que tu le prennes. Faut que tu prennes ce que tu veux. S'il laisse tout l'autre faire, il va tout prendre. Fait que faut que tu te coupes, puis tu prends. Puis là, ben, des fois, ça vient stiff. Parce que l'autre, il veut pas donner, là. Il veut bien paraître. Mais moi, dans le temps, je comprenais pas ça, là. J'étais pas assez d'expérience pour, tu sais, j'aurais pu faire paraître Crawford, Mayu, là, comme il faut, un peu plus. Tu comprends, là? C'est sûr. Mais moi, j'étais là pour monter. Si le gars est pas là pour prendre, parce que, tu sais, comme la porte est ouverte pour sortir, si tu sors pas, ben, c'est à qui à faute. En gros, le fait va te faire valoir, en gros. Là. C'est ça. Ben, c'est ça. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est ça. Puis dans ce temps-là, ben, moi, tu sais, je voulais rien savoir non plus, là. Okay. Puis à cette époque-là, ben, il fallait vraiment, tu sais, il fallait que tu fasses ta place. Ben c'était oui. C'était tough, puis ça brassait, tu sais. Puis là, c'est ça. C'est comme Carl Cole m'a dit, si l'autre est là, puis il hésite, ne pas prendre la place, toi, tu montes. Ouais, c'est ça, il faut vraiment faire sa place. Là, vous nous avez parlé, dans le fond, que vous vous étiez promené pas mal dans les territoires, dans les maritimes, tout ça. J'imagine que vous avez fait un peu, là, vous nous avez parlé juste avant de Adrian Adonis. Donc, j'imagine qu'Adrian Adonis vous a fait promener un peu peut-être aux États-Unis. Non, c'est juste qu'il était dans l'accident avec les Twins. OK. En 88, je viens 88. Il avait été lutté à Terre-Neuve, là. OK. Et puis... C'est ça, ben, les autres m'ont beaucoup aidé avant j'ai commencé dans les maritimes. OK. Mais après ça, j'ai été avec Ron Starr à Pensacola. OK. Puis, je sais pas si vous vous souvenez de Yokozuna. Oui. Ben oui. OK. Ben lui, avant, il était Kokina. Oui, Great Kokina. Okay. Ben oui. C'est le garçon à Sika, le frère à Fatou, puis Samu. OK, ben moi, j'avais connu Samu à Montréal. Oh. Fait que là, Ron Starr m'appelle, c'est le Ron Starr, les a firés, les autres. Fait que là, Ron Starr, il vient avec moi, il vient m'aider, il doit faire 4 gars, puis ça, c'était à Pensacola, Floride. Anyway, moi, j'ai dit, je vais aller pour 2 mois. Là, mais pas plus. J'ai dit, c'est 8 semaines. Bon. Là, quand j'ai été après 4-5 semaines, là, ben, les Yokozuna, ben, les autres, là, ils ont tout épeuré, les autres. Fait que là, 5 semaines, il restait un mois de nouveau, là. Parce que là, le Ron Starr, la promotion, les a repris de nouveau, mais il restait Fatou. Okay. Fatou, on était un show le dimanche après-midi à Pensacola, Floride, puis lui, Yokozuna, là, il était Kokina, il était 450 livres dans le temps. Ouais. Il me passait ses pieds chaque bord de la face dans la chambre. Puis là, il disait d'après à job à mon frère. Puis là, moi, je me levais puis j'ai dit c'est pas moi qui ai pris la job à ton frère. Ton frère, il s'est fait plaire, c'est pas de ma faute à moi. Moi, j'ai dit, je l'ai ici pour 8 semaines. Puis, j'ai 5 semaines de fête. Il me reste 3 semaines. Puis, je m'attends de les faire. Mais, j'ai été chanceux. Samu, je l'avais connu à Montréal. OK. Puis, c'est ça, son frère. Fait que Samu s'est levé. Puis, il a dit, quand j'étais à Montréal pour un an et demi, il dit, j'ai pris la job d'un gars de par là. On l'a dit. Fait que là, le coucou, il a, ça. Ça a calmé, là. Ouais. Mais là, j'ai pensé, si lui, il saute du moins, les deux autres vont sauter, le père et le frère aussi, là. Ah, tout à fait. Fait que c'est des shots de même, mais dans ce temps-là, on dirait que je n'étais pas heureux, ben, hein. On dirait que si tu viens que tu n'as pas une confiance, quelque chose, mais pas pour me vanter, mais j'ai eu peur un peu, mais tu sais. À la fin, tout des shots de même. Là. Puis là-bas, j'étais champion, Brass Knuckle Champion, Gablon. Le Canadian Brass Knuckle Champion. C'est le pro américain. Je sais qu'Abdullah. Ouais, puis j'ai eu 6 combats. 6 combats pour les champions des États-Unis. C'est nous autres qui avions Abel dans ce temps-là. OK. J'ai eu contre M. Olympia. Il a été après pour la WWF, lui, mais c'était lui le champion des États-Unis.
Mais ça, vous nous parlez le territoire des Von Erichs, ça, là. La WCCW. Non. Non, Floride, ça, c'est Mobile, Alabama, Floride, Birmingham. Okay. Ces places-là, là. C'est pas le même bout. Parce que je sais qu'ils en ont fait au Texas aussi, c'est pour ça. Ouais, ben, c'est le Texas, c'est l'autre bout. Ouais, le Pensacola, c'est le commencement de la Floride. Il y a l'Alabama, puis là, la Floride commence. OK. C'est le Texas, ça, c'est les, tu sais. Mais, c'est ça, j'ai fait 2 mois là, là. Puis, une autre place, il y avait les Rock'n'Roll Express. Yes. Je veux dire qu'il y avait du monde, puis c'était des beaux shows, là. Ah, j'imagine, là, avec... Quand les Rockers sont partis, ben, hein, ça a baissé. Ah, j'imagine. Ah, les autres étaient populaires, les deux Rockers, les petits, là. Gibson, puis l'autre, là. Ouais. Ouais, ouais. Il a lutté avec Pierre Carmolette aussi, là. Oui. Ben oui, il est venu des Maritimes. Il a... Je ne sais pas si je dirais ça à cette heure, hein. Mais dans le temps, il luttait 1 contre 1. Puis là, il disait, oh, on va faire ci, on va faire ça, petit pata. Puis... Là, j'ai dit, tu vas refermer ta gueule, là. Tu vas m'écouter. Il a coupé le mot. Puis là, Cuban Assassin a venu, là, puis il a dit, écoute-le, là. Puis on a eu un match, la chaleur, la heat qui appelle, là, incroyable. Ouais, ouais. Puis c'est la dernière fois que je l'ai vu. Ah oui? Mais là, je suis ami avec, je suis content, ça gamique. Ça marche. Moi, j'ai fait 2-3 ans que, là, il y a eu des photos. Je disais, t'es trop beau. Ah oui, pas de photos de même. Il y avait des photos de... T'es derrière que je tente, tu comprends, là? Ben oui, c'est ça. Ah oui, pour voilà, le goût est perdu, là. Yes. Loin, il est perdu, qu'est-ce qui arrive? Ben nous, on vous entend encore. En fait, ça va sûrement revenir, mais... en gros, ben, ça fait déjà okay. Comme un... Ah, parfait, super. Okay. Donc, ça fait déjà un bon 22 minutes qu'on est avec vous. En fait, juste en terminant, dans le fond, comme à l'habitude, mon collègue Benoît, a.k.a. Nastradaben, parce que, dans le fond, Nastradaben, ça vient de Nastradamus, puis à chaque fin d'émission, ce qu'on fait, c'est qu'on prédit l'avenir de nos invités. Donc, je laisse la parole à mon collègue Benoît. OK, donc, OK. Ben, Monsieur Thériault, premièrement, merci beaucoup de l'entrevue. Ce fut un agréable plaisir. Plaisir pour moi aussi. Oui. Ben, je vous préside de la santé, mon cher monsieur. Vous allez avoir de la santé pendant plusieurs années encore. Yes. Oh, j'espère bien. On vous souhaite. Tout à, j'ai arrêté la boisson, ça fait 38 mois. Wow. Puis j'ai arrêté les gâteries, les gâteaux, puis ces affaires-là. D'après moi, ça va bien aller pour un autre 10 ans. On vous le souhaite bien, en tout cas. Là, si j'ai compris, vous êtes encore. Vous prenez encore des bookings pour faire de la lutte, là, si je comprends. Je n'ai pas pris encore. Là. Ben, je suis supposé aller à l'île du Prince-Édouard avec okay. Cowboy Mike Hughes. OK. J'ai été l'autre fois. Ouais, puis Cowboy Mike Hughes, il était là quand il a commencé. Les premières années qui a commencé. OK. Puis, j'ai tout le temps été ami avec. Puis là, il est supposé en faire un au printemps. Là. Okay. Mais là, j'aimerais te pogner des places à Québec. Moi, je ne connais pas là, les promotions. Il y a le FM là, de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a la FML, il y a la IWS, il y a la nouvelle fédération, la QCW à Québec aussi qui ouvre ses portes. Il y a aussi votre ami Gabriel Vienneau qui ouvre sa fédération. La, oui. J'ai appelé pour lui et il dit que le premier show est tout booké. Là. Ça se peut. Là, j'ai demandé pour le deuxième s'il peut mettre pour le deuxième show. Yes. Puis il n'est pas revenu là-dessus, là. Il est très, très occupé, Gabriel. Ah oh, non, c'est ça, là, mais... j'aimerais de... Là, je vais faire un autre gamique, là, de vraiment wild man, là. Oui. Je vais tout mettre ça noir, là, puis... j'ai une peau de chevreux que je m'ai acheté, là. OK. Puis je vais faire plus comme un wild man
Je vais faire une vidéo là, que je saute dans le bois. Là. que c'est qui ça? Ah, c'est Butcher. Puisqu'il était parti, ça fait 20 ans qu'il était dans le bois. Il sort comme un animal, tu comprends? Là? Avec ma peau de chevreux sur le dos. J'ai une chaîne, puis on va voir ses affaires. Super. On va voir ses affaires. Ben, moi, je m'ai vu assez faire peur au monde que le monde ne criait pas après moi. Tu es obligé de moins faire peur qu'il crie après moi. c'est vrai, là. Ah, c'est ça. Un exemple. Hein. J'étais avec Joe. J'ai vu, vous connaissez Joey Legend. Oui. Il est en Germany à cette heure. Oui. Ben, lui est revenu avec Chichi Crew, puis il était la main event. Okay. Il se battait pour la belle pour 25 minutes tous les soirs. Deux beaux lutteurs, beaux combats. Mais moi, j'étais avant les autres. Puis, je faisais pour garder la chaleur pour eux autres. OK. Puis là, ils ne comprenaient pas ça. J'ai dit, good heat, tu sais, je veux dire. Mais j'ai dit, j'aurais pu en avoir plus, mais j'en garde pour vous autres. Ah, ben, j'ai dit, non, Butcher, casse-toi pas la tête, fais ce que tu veux. Non, on va avoir notre heat. Ah, OK. Fait que le lendemain, j'ai tout viré ça à l'envers, moi, là. Ça a pris 11 minutes. Dans le combo, avant que le monde commençait à crier. Pas qu'il faisait pas un bon combat, mais il avait plus de voix à force qu'il criait après moi. Le monde. C'est vrai. C'est là que je vous ai montré qu'est-ce que c'était. Mais quel personnage! Puis une promotion, là. Promotion, comme Hulk Hogan, là. Ben, c'est tous les autres gars qui l'ont mis Hulk Hogan. Ah, tout à fait. Vous comprenez, là? Comme une promotion, là, tout était basé sur lui, puis tout était après lui, puis tous les gars travaillaient pour lui, là. Ah, ben c'est oui. C'est ça que tu ne peux pas faire une promotion. Comme nous autres, des promotions de maritime, il faut qu'on fasse le combat que l'autre garde bien aussi. Exact. Fait que moi, si je pars d'un combat, je prenais 75% du match. Puis si je gagnais le combat, je donnais 75% du match à l'autre. Comprenez? Oui. Pour que l'autre il garde bien aussi. C'est ça, exactement. Parce que sans ça, je m'en vais là et je le bats. Il n'y a aucun intérêt. Là. Non, tout à fait. Puis si les jeunes, là, ils ne comprendront jamais si ils ne pensent pas que ce n'est pas une pièce de tailleur. Non, c'est ça. Le ring, c'est une pièce de tailleur. C'est ça. Les gars peuvent faire tous les moves qu'ils veulent, mais s'ils ne savent pas faire le tailleur, ça donne rien. Dans ma carrière. Là, y a-t-il d'autres questions, là? Moi, je parle tout le temps, moi, là. Il n'y a pas de problème. Ben non, mais je pense qu'on a fait le tour, honnêtement. C'était vraiment super, super le fun de vous avoir. Vous avez appris un paquet de belles choses à propos de votre carrière, à propos de un peu tout ce qui se passe à l'interne, à l'externe de la lutte. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, honnêtement. Vous avez été très, très généreux de votre temps. Pas de problème. Si vous pouvez parler des promotions, laissez le mot. Ah oui, il n'y a pas de problème. Je n'irai pas là faire honte à personne, faire honte à moi-même. Ah, il n'y a pas de problème. Puis aussi, je peux aider beaucoup à faire des combats. Je peux prendre deux lutteurs dans le. Puis montrer de faire un match de 20 minutes, mettons 15 minutes, je ne sais pas. Je peux tout lui dire, fais ci, fais ça, jusqu'à la fin. Écoute, j'ai fait ça déjà, j'ai montré à beaucoup de gars dans les maritimes. Les derniers 5 ans, là, Émile Dupré, là, moi, je m'appelais le Green Bull Broker. Parce qu'il me donnait tous les nouveaux. Okay. Puis là, je les avais 2 semaines, 3 semaines. Puis après ça, les autres pouvaient leader un match. Comprenez? Le gars que je vais montrer, il pouvait prendre après ça pour montrer à l'autre. Parfait, ça. Super. Non, mais merci beaucoup pour votre temps. On vous embrasse. Moi aussi, monsieur. Je vous remercie. C'était très gentil de votre part. Puis si vous allez attendre au Québec, moi, mon cri, c'est au bout. Parfait.
Quand vous allez attendre au bout, est-ce que vous pouvez le faire bout? Vous passez encore, c'est très gentil. Puis, ouais. Vous êtes à Québec, vous? Oui, c'est ça. Ouais. On est à Québec, Lévis, Québec, là. Québec-Lévis, c'est ça. OK, c'est pas loin de chez nous, là. Moi, je suis arrivé à Duloup, Saint-Adonnel. 5-2 heures.